Bah là, je sais pas comment je vais vous le dire. On va dehors les 8h du mat. C'est ciel mon mardi. Ça va être le cinquième jour. Dans l'espace-temps molécule R. Parce que là, il m'est encore arrivé une révélation assez costaud. Bon. Alors, qu'est-ce que je faisais avec mon âme? J'étais là comme ça, point de fusion moléculaire de... La surface synapsoïdale par induction, par acouphène des... je sais pas quoi. Enfin, bref, il y a plein d'échelles, il y a plein de branches, il y avait Richter. C'est quand tu fusionnes avec tes particules, quand tu passes en molécules R d'air. Arrête d'écouter leurs conneries, là, ils racontent que de la merde. Alors, t'es en point de fusion. Bon, je leur ferai à midi, parce que là, je suis dans le pâté. Mais je le dis maintenant, parce que il y a des idées que je voudrais pas perdre. Tu vois ? Les échelles et Richter et ta position dans l'espace-temps quand tu es chevalier intergalactique temporel, voilà, conjugateur, CGT. On dit plus la CGT, on dit le CGT. Conseil galactique temporel. Nous sommes tous des électrons qui sont pas libres, alors ça allait plus loin le truc, putain. C'est que tout le monde s'est changé les maisons, il n'y avait plus de passeport, il n'y avait plus de trucs. Tiens, je vais aller faire un an là-bas, tiens, je change avec toi. Bon, comment que c'est? Bon, moi, c'est crade, c'est calme, mais c'est cool. J'avais les 3 C. Presque la saisie, mais on ne sait pas encore. Donc, ce matin, je faisais mon jacquard. Je suis les liens que je tisse. Quand même, ça bastonne des révélations, ce temps-ci. Hein. C'est pas du recrade, là. C'est pas du Drucker, là. Non, non. Bon, c'est surtout aussi pour dire au petit cousin. Des fois, il fait un peu le beau, il s'énerve. 30 ans, tu comprends, baigné. Laisse tourner le compteur. Et moi, j'arrive à 50 000. 50 million miles away. Et miles away. Et ben, mais... Dans ma tête, ça va. C'est parce que j'ai dû me déshabituer aux liens matériels, vu qu'il n'y a jamais de thunes, jamais rien. Moi, je préfère l'esprit. Je préfère le monde de l'esprit au monde de la matière parce que de l'esprit vient la matière, premièrement. Pouette, envoyé spatial, éternel, on verra à midi, on en fera une autre.